comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Boy, does he smell it. You're never getting the double L. I said so. I keep it buzz up in my heart. Salut à tous, à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour excusez-moi, pour une présentation donc, de mes équipes sur FUT 15. Donc vous pouvez voir là, toutes mes équipes, donc je joue pas tous avec. Je vous montrerai donc à la fin les meilleures équipes avec lesquelles je me sens. Et on va commencer par les équipes un peu plus basses, on va dire. Si je peux dire ça. Donc, première équipe, donc l'équipe à Depay, hein, que je vais faire un squad builder dessus. Donc rien n'a changé, hein, c'est toujours la même équipe. Ah si, quelque chose a changé, c'est j'ai enlevé... comment s'appelle déjà l'italien? Je me rappelle plus comment il s'appelait. Donc c'était un AD italien. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelait. Excusez-moi. Hein. Ouais, bon, je l'ai plus, j'ai dû le vendre. Kondleva, voilà, c'était Kondleva, il était bien, mais j'ai pas kiffé, j'ai préféré prendre Quadrado. Ben, tout simplement parce que voilà, j'ai payé 3 de vie crédit, mais 5 étoiles de geste technique. Donc, pour vous dire que quand vous avez Depay et Quadrado avec 5 étoiles de geste technique devant, ben vous vous faites un peu plaisir. Bon, Gomez, hein, c'est 2 étoiles. C'est 2 étoiles, mais voilà, c'est énorme. C'est énorme. Parce que j'ai vendu mon Gomez, j'en ai racheté un. Voilà, bon, je vais pas vous raconter l'histoire. Sinon, c'est toujours la même équipe, des gros artilleurs, une grosse défense, voilà. Ce qu'il faut à cette équipe. Ensuite, je vais vous présenter donc mon équipe d'artilleur. Voilà, 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 voilà. J'ai mis un peu de crédit dessus, mais voilà. Courtois, chanceux, parce que je l'ai eu dans un pack opening, vous avez pu voir, avec Mangala et Cahill, Walker à droite et Santon version Newcastle à gauche, El Shaarawy au milieu gauche, avec le milieu Pogba, Nainggolan, Pepe à droite et la légende, hein, Totti, l'artilleur, alors lui, 3 matchs, 1 but, 2 passes décisives, le but c'était un long shoot. Voilà, 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 voilà. Et après Di Natale en pointe, parce que voilà, il nous fallait un joueur qui sache courir, qui sache marquer, j'ai préféré prendre Di Natale pour un peu le tester. Ensuite, la prochaine équipe, donc on va présenter notre équipe de Messi, hein, l'équipe Messi, hein, que personne n'a vu encore. L'équipe Messi, alors Messi que j'ai dans un pack et l'équipe fait très très mal. Quand je tombe face à des gens, l'équipe fait très très mal. Bon, j'avoue, je me prends des fois des petits pics, mais franchement, elle fait vraiment le taf. Casillas, Pic, Chiellini, De Ciglio, Alba. Belle défense, après Iniesta, le maître de la passe. Marquisios. Il monte beaucoup en attaque, donc ça c'est pas mal. Et Vidal, voilà, Vidal c'est Vidal. Ensuite, Pérez version Valence. Ah, voilà, après c'est un trio d'Argentins. Pérez, Carlos Tevez, la bête. Et Messi. Messi, le magicien. Regardez, 6 matchs, 10 buts, 3 passes décisives. Et Tevez, c'est 6 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Et Pérez, c'est 4 passes décisives. Voilà, cette équipe fait aussi très très mal. Ensuite, donc il manque, je vais vous présenter ma team Portugal. Ouais, j'en ai profité pour prendre notre cher Anthony Lopez, second in form, version 80 générale. Franchement, 84 de plongeon, 88 de réflexe, 80 de positionnement. Il est chaud. Il est chaud, et en plus j'ai lu que pour 12 750 crédits, c'est pas cher. Il est chaud, franchement il est chaud. Bon, cette équipe, je joue pas en compétition parce que... J'arrive pas et c'est dur. Il y a une belle défense avec Contrao, Pepe, Alves et Pereira. C'est une belle défense. Avec un milieu plutôt correct, Fernandez, Pizzi et Moutinho. C'est un milieu qui est plutôt pas mal. L'attaque, ça prime un peu parce qu'on a Nani, 5 étoiles du geste technique. C'est bon. Après, on a Dani qui fait... Il n'y a que lui qui marque. Et après, on a l'attaquant. Et l'attaquant, c'est le pire. À part Ronaldo, BU... le reste c'est de la merde quoi, parce que lui encore ça passe, 81 de vitesse et 82 de dribble, donc vous pouvez dribbler et tout, mais si on prend Eder c'est impossible, j'arrive pas avec Eder, il y a des jours où j'arrive pas. Regardez, Eder est en tant que réserviste, même sur le banc, mais avec Eder,
J'ai fait aucun match, j'avoue. Mais je l'ai revendu, je l'ai racheté parce que j'ai du mal avec Eder, j'ai du mal. Et je pense pas la jouer. Je pense pas que cette équipe, c'est une équipe de compète. Vaut mieux la jouer comme ça pour le fun, vous faites des vidéos comme ça. Avec cette équipe, ça peut passer. Ensuite, on va donc passer à mes deux équipes préférées. Donc d'abord, l'équipe de France, hein, qui a pas mal changé. Donc la défense, toujours la même. Lloris, Koscielny, Clichy, Varane et Konko. Le milieu, c'est le même avec Diaby, Matuidi et Pogba. Pogba qui... J'ai du mal aussi avec Pogba. Même si c'est un dieu, Pogba, j'ai du mal. J'essaye de faire des petits trucs. Ça passe. Bon, j'ai viré Nzogbia parce que j'en pouvais plus. Et je me suis dit, il nous faut un artilleur en MOC. Et je me suis dit, on va prendre Titi Henry, on va le mettre en MOC. Et ben, ça a complètement fait la différence. Quand il est en MOC, ben... En plus, il mesure 1m88, donc en MOC, il peut prendre les ballons de la tête. Et de plus, il m'a marqué pas mal de buts. Il m'a marqué un petit but bien placé. Et après l'attaque, ben, la casette, j'attends son up. Et j'ai remplacé Benzema par Loïc Rémy, bien sûr. Bien moins cher Loïc Rémy et surtout bien meilleur. Parce que Benzema, en 5 matchs, il m'a marqué 2 buts. Et lui, en 3 matchs, il m'a marqué 2 buts et 3 passes décisives. Donc oui, cette équipe de France, je la kiffe et j'adore jouer avec. Et la dernière équipe à vous présenter, la Bundesliga. Alors attention, on va faire un montage de mal à les gars. 3, 2, 1. Voilà. Voici mon équipe de Bundesliga. Est-ce qu'elle fait mal la team? Est-ce qu'elle fait vraiment mal? Parce que... Est-ce qu'il est sur le banc? Il n'est pas sur le banc, mais je vous le montrerai. Vandenfeller au cas, j'ai pas Neuer, mais Vandenfeller, ça fait le taf. Santana, Socratis. Deux superbes défenseurs. Bon, j'aurais pu prendre du Mels, mais je l'aime pas trop. Aogo, in form. Bah, de une, parce que voilà, il était de Schalke. Et de deux, parce qu'il est super bon. À droite, Piszczek. On dit rien sur lui. Milieu de terrain, Bérami. Alors, ce Bérami, il est assez bizarre. Parce que, il mesure 1m85. Il touche beaucoup de ballons. Il est pas cher, mais il touche beaucoup de ballons. Il a un rendement élevé en défense, mais je le vois beaucoup en attaque. Alors là, je ne veux pas comprendre. Il m'a fait 2 passes décisives, donc c'est pas mal. Gundogan, l'homme shit sur chaque FIFA. Le mec, tu sais pas ce qu'il fait, mais voilà. Sur chaque FIFA, il a une putain de carte. Et Götze, voilà. Mario Götze, c'est... Il n'a pas marqué de but, mais il a failli en marquer. Et l'attaque, ben, c'est Marco Reus. Hein. J'étais obligé de prendre Marco Reus, j'étais obligé. C'est une bête, ce Marco Reus. 6 matchs, 1 but, 6 passes décisives, 6, c'est énorme. Ensuite, ben, Aubameyang, 9 matchs, 8 buts, 3 passes décisives. Voilà, Aubameyang, c'est de la vitesse, ça c'est sûr, mais je n'utilise pas pour sa vitesse, franchement, j'utilise bien. Et la bête, hein, Lewandowski, 9 matchs, 17 buts, 5 passes décisives. Robert Lewandowski, c'est une tuerie, les gars. Et bien sûr, pour vous montrer, le petit dernier, donc, il est... Si on trouve la nationalité, il est suisse, les gars. Il est suisse. Allez, la Suisse, elle est où? Voilà. Elle est suisse. Et vous savez de c'est qui? C'est Shaqiri. C'est Shaqiri. Shaqiri, franchement, c'est un surkiff. Bon, je n'ai pas joué encore avec lui dans cette équipe. Mais je l'avais vendu. Et je l'ai racheté encore une fois. Et parce que j'ai fait le compte de le vendre. Je me suis fait pas mal de bénéfices dessus. Mais après, je l'ai racheté. Et Shaqiri, c'est une tuerie. C'est un dieu. Moi, je le kiffe, Shaqiri. Je le kiffe, les gars. Shaqiri, pour moi, c'est Shaqiri. C'est Shaqiri. Après, on peut même interchanger les deux. Comme ça, il a un putain de lien avec... qui? Parce que du Bayern, non. Plus genre... Ouais, elle aura un lien avec Götze du Bayern, donc ça passe. Donc ça, c'était mes équipes, les gars. Donc si vous avez une équipe qui vous a plu et que vous voulez que je fasse un squad builder dessus, ben dites-le-moi. Ce serait avec un plaisir d'en faire un dessus. Et sinon, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'ai fait vite fait parce que y a ces équipes-là, je pense pas les faire en Squad Builder. Peut-être prochainement, s'il y a une équipe qui pourrait me plaire et que j'aimerais faire un Squad Builder dessus. Peut-être parce que j'ai pas encore... sur ce FIFA, je me suis dit, ne joue pas avec des Barclays. Te mets pas à leur niveau, mais peut-être qu'en fait, Peut-être que je vais faire. Peut-être que...
Ouais, peut-être. Peut-être que je vais faire une barque, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss et bye bye, and peace. Stout.